Suisse. Demain, c'est tournoi. Tournoi original avec une manche de tennis et une manche de tennis de table. Je sais pas comment ils vont faire quand tu fais match nul. Une manche ce matin et une manche cet après-midi pour une fin de tournoi aux alentours de 17h. On n'a pas fait de différence entre vos niveaux, si vous êtes licencié ou pas licencié, vous êtes homme ou femme. On a mis tout dans un même package. Et au début, vous allez jouer au hasard en fait, contre l'un de vos adversaires. Le but de la ronde suisse, c'est qu'au fur et à mesure de votre progression, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir le même résultat que vous, qui ont gagné leur premier match, qui ont gagné leurs deux premiers matchs, qui ont perdu le deuxième, enfin voilà. On vous a divisé en trois poules, donc vous êtes 24 joueurs, on vous a divisé en trois poules de 8. Et une ronde suisse, ça se déroule en trois tours. Et donc le premier tour, vous allez jouer soit au tennis, soit au ping-pong. Le deuxième tour, soit au tennis, soit au ping-pong. Et l'après-midi, on va regrouper tous ceux qui ont gagné la première phase, ceux qui ont eu des résultats moyens, ceux qui ont perdu. Et comme ça, on va refaire une deuxième phase d'après-midi. Et à la fin de la journée, on aura un classement général en fonction de vos résultats. Défi, faire un match entièrement main droite. Tu sais où tu veux ça? Juste Le but de la journée est également de faire découvrir l'autre sport. Donc je suis tombé sur une tennisman, comme tu peux le voir, et j'ai donc choisi de jouer main droite. C'est plus équitable. Les deux premiers matchs, c'était pas trop compliqué. Premier, j'ai gagné en jouant de la main droite. Et le second match, c'était plutôt un exercice de service. Filmer du tennis de table, j'ai l'habitude. Mais filmer du tennis, on va découvrir. Je suis opposé à un tennisman, un vrai. Chaque sport a son folklore pour le tirage au sort. J'ai gagné, mais j'ai choisi de recevoir. Parce que le service, c'est mon gros point faible au tennis. Le cadrage aussi, visiblement. La table est grande. Hein. Les déplacements ont toujours été mon problème quand je jouais quand j'étais jeune. Pour être bien placé par rapport à la balle, mais... Bon, je sais qu'il faut jouer long. Je vais jouer dans les pieds, c'était plutôt pas mal. J'essaie de renvoyer long. Et... Ah, j'ai hésité à se matcher. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de match. J'aurais mieux fait. J'aurais dû se matcher. Bon, pas si mal. Ah. Le déplacement accouché d'une souris. Le revers, ça n'a jamais été trop mon truc. Hein. Bon, le premier jeu est déjà passé. Alors maintenant, l'enfer du service. Arriver à conserver mon service a toujours été mon problème lorsque je jouais en tant qu'ado. L'attaque était simple. Elle est sur la ligne. Alors là, j'étais dégoûté. Elle était pile dans l'axe de ta caméra. Non, une faute. L'éternel problème des doubles fautes. En plus, j'arrive plus à retrouver cette deuxième balle liftée où il faut quand même un peu tourner, tordre le dos. Déplacement, problème de positionnement sur la balle, donc elle est un peu trop basse. Alors, j'essaie de jouer plus long. Vu que j'arrive pas à jouer fort, j'essaie de jouer long pour le déborder. Et regarde bien, je marque un point du coup droit. Ah, c'est quand même top ça. Allez, encore un beau coup gauche bien long, profond. Peut-être pas très puissant, mais... Ouais, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de taper des coups droits. On va rester une seconde balle. Alors j'ai décidé de couper toutes les balles, tous les services faux. Non, elle était dehors. Je mène. Et moi aussi, je sais faire des balles coupées. Mais j'en tiens pas compte après. Dommage. J'ai toujours eu tendance à jouer beaucoup trop court. Tu vois, ça sort à peine des carrés de service. Donc j'allonge. Je varie la profondeur de balle. Et je varie les angles. Ouais, c'est comme un Roland-Garros là, sauf que c'est dehors.
Ouais, en mouvement, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai perdu la première manche. Nous ne jouons qu'en 3 à 0, 3-1, 3-2, 3-3 avec super tie break. Bon, j'ai viré la double faute, hein, c'est pour ça que des fois tu. Dans les matchs de ping, je fais pas de coupe, mais là, ça peut vite devenir pénible. Une belle attaque. Et franchement, je pensais pas qu'il la récupérerait. Ce qui explique, plus le bal coupé, que je me suis déplacé comme un petit vieux. Allez, j'ai pas tenu compte, tu vois. Problème de vue aussi, j'arrive pas à me concentrer à la fois sur regarder son geste et la balle. Je l'ai pris à contre-pied, mais pas assez puissant, c'est dommage. Et après, je la mets dehors. Tactiquement, je pense que c'était pas mal. Mais j'arrive pas forcément à réaliser ce que je veux. C'est quelque chose que tu as déjà entendu si tu suis ma chaîne sur le tennis de table. Si on regarde cette balle, elle était assez longue. Et celle-là, l'idée est pas mauvaise, mais elle est dans le couloir. Ouais, là, c'est, le problème est physique. Ouais. Déjà 2-0. Alors, on a le droit de servir la cuillère hein, dans ce tournoi. Sur les deuxièmes balles, je sers la cuillère. C'est un peu la honte, mais ça permet du jeu. C'est quand même plus sympa aussi. Hein. Je pense que même pour lui, c'est plus sympa de jouer ça et de voir ça que de me voir faire des doubles fautes. Donc, si tu vois cette image, c'est qu'il y a eu un service raté avant. Ouais, l'amorti était complètement raté. Regarde, je joue même service volé avec amorti. Et dans le filet, des fois aussi. Alors, j'ai encore dû rater une balle, une première balle devant. Ouais, c'est encore trop court, hein. Bien allongé, bel angle, pas mal. Voilà, finalement, je suis assez content quand je regarde. Ça aurait pu être pire, hein. Ça faisait quand même bien 15 ans que j'avais pas joué sérieusement au tennis. Mais on est déjà à une balle de match. Et je rate la volée. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'égalité hein, sur ces règles-là, on va au plus court. Pour maintenir l'horaire, forcément. Donc c'est fini, c'était assez agréable. Ça clôt la matinée, deux victoires au ping, une défaite au tennis. On va voir ce que ça donne. Après un repas sympathique et convivial... Je pense que vous êtes bien amusés ce matin. Cet après-midi, je pense que ça va être plus dur. Parce que du coup, vous avez été regroupés en fonction de votre classement de ce matin. Donc tous les gagnants vont être ensemble dans la même poule ce matin. En gros, ceux qui ont le plus de points sont dans la même poule. Ceux qui n'ont pas de points sont dans le même pool, donc normalement ça devrait être un peu plus équilibré. Niveau un peu plus relevé. Relevé et équilibré. Et équilibré. Et ce qui change aussi, ce matin je vous ai dit qu'il y avait qu'un seul vainqueur, je me suis trompée, en fait nous avons trois prix à remettre à la fin de la journée. Et du coup, les trois prix seront pour les vainqueurs de chaque pool de l'après-midi. Du coup, dans la poule la plus forte cet après-midi, il y aura Nicolas Spener, Laurent Schott, Christophe Montoya, Didier Paul, Cyril Hurstel, Michael Ozou, Mathias Fogel et Jérémy Gauthier. Deuxième match de tennis. Je crois que c'est le maxi que mon épaule pourrait encaisser. Je dois être cinquième du classement si je ne me suis pas trompé. Donc là, il faut simplement que je fasse du mieux possible. Gagner, ça me semble difficile. Bon, je l'ai mise dehors déjà. Ah, bien joué, bien pris à contre-pied. Ces services sont puissants quand ils sont bien placés. Ils me posent vraiment des problèmes. Parce que je me déplace doucement en fait. J'arrive plus à me déplacer assez vite. Et finalement cette terre battue, tu vois, je suis loin de la balle. Alors j'ai coupé hein, les services faux hein, bien entendu. Enfin, je sers quand je peux, mais quand je sens que la fatigue est trop là, alors tu vois, il a mis un bel effet, ce qui fait que j'ai pas pu frapper.
Quand je passe mes premières balles, ça peut aller à peu près. Et là, je me suis fait avoir. Ça m'a rappelé le basket quand tu es à contre-temps, quand tu attends un petit peu, tu attends que le défenseur monte et qu'il est en train de descendre quand toi tu montes. Ouais. Balle trop longue. J'ai du mal avec ces effets, même si aujourd'hui je les comprends mieux, hein, grâce au ping-pong. Je les comprends mieux à l'époque, quand j'étais ado. Je les comprenais pas forcément. Bon, là, je suis mal placé. La douleur dans les bras, enfin, c'est compliqué avec la digestion. Hein. Je le sentais vraiment. Et sur des trucs comme ça, quand c'est bien servi, là, j'avais un doute, mais j'ai jamais été bon à savoir. Le tennis, là, m'a fait prendre conscience que subitement, je suis vieux. Et alors, dis-moi dans les commentaires quel est ton âge. Si tu préfères le tennis ou le tennis de table, je suis très curieux. Toi, quand je joue long et lifté, c'est pas si mal. Bon, long et lifté sur mon revers, j'ai très peu de chances d'arriver à la ramener. Mais long et lifté, c'est la solution. Ouais, mal touché. Forcément, après, je suis acculé et voilà, voler, c'est facile. Ah, j'avais mis un peu de lift dans cette balle. Des fois, j'ai pu retrouver ma deuxième balle. Donc, tu vois, là, je retente quand même le coup. Hein. Je suis pas parti direct à la cuillère et elle est un peu longue. Donc, la double faute a toujours été mon cauchemar au tennis. Et avec l'épaule gauche, ouais, c'est pas comme ça. Là. Franchement, là, j'étais... Je l'ai senti passer, hein. Physiquement, je souffre. Donc j'ai perdu la première manche. On joue que deux manches, en fait, et j'avais pas forcément bien compris. On joue que deux manches et trois jeux. Quoi qu'il arrive, on va jouer trois jeux. Donc un match nul est possible. Si je gagne cette manche, je peux faire match nul. Et là, ça démarre bien. Bon, j'ai coupé sa première balle. Et sa deuxième est plus molle et j'arrivais pas à en prendre conscience. Et comme je peux pas m'appuyer dessus, bah ça sort. Ah, j'aimerais pouvoir attaquer sur les angles un peu plus puissamment, mais ouais, j'étais encore là, c'est pas si mal. On est à 30 partout. Alors j'ai coupé une double faute. Et en fait, il a fait deux doubles là. Donc là, je démarre bien la seconde manche. J'avais pas forcément conscience qu'il suffisait de gagner un des deux jeux qui vient pour faire match nul. Ce qui, pour le tournoi, est très important. Là, je l'ai très très mal coupé. J'ai pas eu de jugeote. Je l'ai mis sur son coup droit. J'ai failli me la prendre dans la tête. Alors que si je l'avais mis sur son revers, c'était peut-être une autre histoire. Manque de jugeote. Ouais, trop long. Dommage, je suis pas assez fiable. Franchement, là, je le sentais, hein. Je le sens dans les épaules à ce moment-là. Ah, c'était pas terrible. Ça, c'est le mieux que je peux faire. Ouais, je suis incapable de relever ce genre de balle. J'en ai pas le physique. Pareil. Un partout. Donc là, c'est le jeu décisif. Retour long dans le revers, c'est pas mal, mais je me le suis pris dans mon revers. J'ai tenté un coup droit qui part dans les décors. Ah, c'est une deuxième balle, je peux pas m'appuyer dessus, donc voilà une balle de match finalement. Elle doit être bonne, j'étais assez étonné. Il y a 30-40, donc encore une balle de match. C'était pas mal, hein. Même ça, c'est pas mal. Et la transition pose problème. Et donc, c'est fini. Ouais, on joue que trois jeux, quoi. Donc, j'étais pas si loin de pouvoir faire un match nul. Ce qui, pour le tournoi, est quelque chose d'important. Puisqu'il me reste encore deux matchs de ping à jouer maintenant. Bon, les volcaniques,
Vous savez pourquoi je fais du ping, hein ? Parce que physiquement, voilà, ça va pas. Direction le tennis de table. C'est le juge-arbitre qui te donne ton adversaire futur. Donc là, je suis opposé à Mathias du club local de ping-pong. Ça a été un peu compliqué hein, de revenir du tennis vers le tennis de table. Heureusement, j'ai pu échanger des balles avec Damien, qui a gagné le tournoi à Saint-Jean-Courtes-Rhodes dans les moins de 600. Donc, c'était sympa. Mais je ne le rencontre pas dans ce tournoi. Donc, un match où, finalement, je dois gérer ma fatigue. Jouer à l'économie. Alors, ça a bien démarré. Je fais quelques boulettes. On a des conditions de jeu un peu étranges, des fois. Ce n'est pas tellement les balles qui gênent que la porte. Bon, des fois, il y a porte. Tout en toucher de balles. Et je ne suis pas les plus lucides. Bon, la fatigue est la même chez un peu tous les joueurs. On va dire que ça s'équilibre. Maintenant, désormais, je peux compter sur mon service. Même si là, je me suis repris l'effet. Donc, c'est un match où je dois apprendre à gérer. Gérer pour finalement faire peu d'erreurs, maintenir l'écart. Allez, 5 balles de manche. Voilà, je peux compter sur mon service. Désormais. Dommage, c'était bien parti. Hein. Comme quoi, hein, sur le toucher de balle, c'est encore tout à fait perfectible. Ça, je la lève, c'est pas normal que je me retrouve en défense. Avec l'avant-bras qui est douloureux après le tennis, c'était compliqué de faire autre chose que des poussettes en revers. J'ai pas trop tenté de topspin revers. Moi, je peux compter aussi sur des erreurs, donc ça donne une bonne marge de sécurité. Et là, j'avais ma plaque trop ouverte, donc quand bien même, il n'y a pas forcément beaucoup d'effets, je peux me faire avoir. Donc, j'en profite pour sortir quelques services sympas, faire un peu attention en réception, et simplement faire moins de fautes. Donc on va dire que j'ai une bonne marge de sécurité. Et ça redonne de la confiance. J'en avais besoin hein, par rapport à la quantité de matchs perdus ces derniers temps. Notamment aux fédéraux. L'écart se creuse petit à petit, même si c'est pas normal de faire une erreur en poussette comme ça. Je suis plus sûr en revers, ça c'est clair. Et sur ce genre de frappe également. Bon, la preuve qu'on était complètement à côté de la plaque, le temps qu'on récupère la balle et tout, il enchaîne 4 services. Bon, c'est pas trop grave. Ça change pas la physionomie de la manche. Ça, j'essaie de le travailler beaucoup plus en toucher de balle désormais au lieu de frapper bêtement. Voilà, exactement comme ça. Puis une frappe après. Je pense que j'ai gagné en sérénité, en capacité à gérer les conditions de jeu. Ouais, je tentais un truc. Bon, de toute façon, j'avais de la marge. Alors la question, c'est qu'est-ce que je vais sortir comme service ? Ah, tu vois, je suis fatigué. J'avais ce que je voulais, il n'y avait plus qu'à frapper. J'ai ressorti exactement le même. Je sors exactement le même. Bon, victoire !
Le match suivant est forcément plus difficile, puisqu'on se retrouve en ayant gagné notre match précédent. Et Jérémy, je l'ai vu jouer au tennis, il sait jouer. Et visiblement, il a joué au ping également. Alors, je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir absolument faire des services qui me gênent. Les services qu'il utilise le plus sont ceux que j'aime pas. Donc pour moi, c'est important d'établir tout de suite que je vais dominer le jeu. Et là, ça a bien démarré. Très bien même. Par contre, j'ai horreur des marteaux. Manque d'attention. Ça donne une information que j'aurais pas dû laisser. Ouais, bien joué, imparable. Et tu vois, les marteaux, ils me posent problème. Donc, quand je suis pas lucide, finalement, il y a plus d'écart. Enfin, l'écart n'est pas celui qui devrait être. Puisque maintenant, il n'y a plus que 2 points. Donc, il va falloir serrer le jeu. Un point parce que j'ai pas osé finir. Ah, il use et il abuse du service que je ne supporte pas. Et donc il s'agit de terminer cette manche. Voilà, propre, bien géré. Pas forcément glorieux, mais bien géré. Je peux avoir des soucis hein, avec la fatigue sur les poussettes, etc. C'est pas du tennis. Quand même être beaucoup plus précis. Bon, la fatigue est partagée. Hein. Il a eu son lot de matchs de tennis bien prenant. Hein. Ouais, là, quand je te disais que les enchaînements, c'est pas ça aujourd'hui. Donc dans les schémas de jeu, par contre, c'est bon. Pas la présence physique. Donc je suis plus patient. Je bloque, j'attends les erreurs. Ça suffit pour l'instant à creuser l'écart. Là, d'habitude, je suis plus véloce. Hein, une balle comme ça, je l'ai. J'étais surpris que mon essuie-glace revienne. Bon, bien terminé. Allez, dernière manche. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Hein. Alors, je me demande bien pourquoi on joue 3 manches, puisque j'ai gagné le match. Mais ça doit être pour les points. Ça doit être justement pour le classement secondaire, parce que dans une ronde suisse, tu peux avoir pas mal de... Tu gères les ex-aequo, mais tu peux avoir pas mal de d'ex-aequo justement. Alors là, tu vois, je suis en train de serrer le jeu, parce qu'il y avait quand même 3-0, et il y a 3 partout. Donc j'ai besoin d'aller chercher le peu d'énergie qui reste, et d'attention pour serrer le jeu, au bon moment. Et me mettre hors de danger. Donc là, il y a de nouveau un petit peu de marge. Mais je peux la perdre assez vite sur cette réception de service stupide. Et être patient. Voilà. Être patient. Remettre une balle de plus. Voilà. Exactement comme là. Je suis finalement en train de gérer et de varier au service. Même si je suis pas un grand bloqueur. 4 points d'écart.
Ah, j'aurais dû démarrer avant. Mais plus l'énergie. Ah, mon pioche. Donc je suis devenu plus patient, donc plus fiable. Allez. 4 balles de match. Celle-là, j'étais surpris, je pensais pas qu'elle reviendrait. Bon, le temps qu'on récupère la balle. Encore une balle de match. Gaspillée. Et une autre gaspillée. Il est temps que ça s'arrête. Hein. Heureusement. Si tu veux devenir extraordinaire, tu es au bon endroit. Alors finalement, ce tournoi, le vainqueur, Christophe, n'a pas perdu un match. Et je me retrouve second. Alors je ne sais pas comment, mais certainement que ce jeu que j'ai gagné au tennis doit avoir son importance. Ce qui est paradoxal. Les deux matchs de tennis m'ont défoncé. Moi, je sais pourquoi je fais du ping. Allez, si tu veux suivre l'aventure, abonne-toi, active la cloche et ça te sera prévenu des prochains matchs après l'été.